en moins, qui est un roman écrit par Marie Collot, qui raconte l'histoire de Igor, et d'autre part par Nancy Gilbert, qui écrit le témoignage de Ria. Donc ce roman émouvant est sorti en février 2018. Ça raconte l'histoire poignante d'un adolescent, Igor, qui a été défiguré lors d'un accident de voiture. Il est très en colère contre son père, qui était au volant lors de l'accident. Et Ria, elle, sombre dans le chagrin suite au suicide incompréhensible de son petit ami et ne veut plus suivre ses cours de musique au concert. Donc Fred, un professeur, va les aider, va leur donner des cours particuliers, va faire en sorte de les réunir et de travailler une fantaisie de Schubert à quatre mains. Igor et Ria sont deux êtres meurtris, l'un dans sa chair, l'autre dans son âme, mais la douleur leur fait les mêmes ravages. Donc la musique, en effet, est le miroir de leur deux vies intérieures cassées. Et on découvre une fois de plus que l'art de la musique va les sortir de ce chagrin intense. Le livre a une structure particulière puisqu'on change de narrateur à chaque chapitre. On rentre dans le ressenti de Réa puis dans celui d'Igor. Et ça nous permet de vraiment s'identifier à ces personnages, de nous mettre à leur place et de comprendre leur douleur qui est profonde. Et l'histoire en fait nous rappelle que les adolescents ont besoin d'être écoutés, compris et soutenus. Et on retrouve particulièrement de nombreuses disputes, notamment entre Réa et sa mère. Qui vivent dans l'incompréhension et le manque de communication. Marie et Nancy ont su nous emporter à travers une histoire bouleversante et nous emporter à travers les émotions de chaque personnage. Elle éveille de la compassion et nous montre à quel point il faut savoir garder espoir. C'est une belle morale qui montre que tout peut s'arranger. Et on conseille donc ce livre à tout public, car le travail d'acceptation de deuil en passant par le déni, par la révolte, se fait de la même façon pour tous. Et il nous procure une grande émotion maintenue tout au long de la lecture qui forme la trame principale de cette histoire marquante et bouleversante.